Bonjour, madame, mettez une nouvelle vidéo avec un tagatro sur Dark Souls pour la maintenant 12e épisode. Et oui, nous sommes ici à Arnold Londo, lequel nous avons affronté un boss dans le dernier épisode. Et nous avons aussi. Nous avions aussi affronté un boss. Et. Un boss. Et nous avons réussi à terminer la place. Nous avons enfin fini la forteresse de Ten, en fait. Que je suis enfin content de tomber à un autre endroit que j'aime beaucoup. Et je trouve magnifiquement stylé. Il y a quelque chose dans l'entour ici. Je vais tourner pour rien. Je suis tellement content de jouer à Dark Souls. Ça fait 3 épisodes que je tourne à la suite. Donc, vous allez encore voir les annotations de texte de monde qui se connectent. Je suis désolé, mais c'est la vie. Oh. Une bâton contre un Gargonold. Je sais pas si c'est une bonne idée de reprendre la vie comme ça. Surtout, t'es extrêmement lent. Nous l'avons quasiment fait. Oh. Je veux voir t'es qui. Ah, ça fait mal, man. Aïe. J'ai coupé à cœur! Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Oh, t'es tellement pas bon, on va prendre la vie de main. Mais il est tellement slow! Qu'il m'attaque même pas de la vraie mamie. On va reprendre la vie, pourquoi pas. Bref, pour jouer tête. Ah, je vais couper la queue. Non. Bon, c'était un vrai joueur en fait. Il y a beaucoup de gargouilles, très bon item, faut te dire. Bon. Ok, donc y a-t-il quelque chose ici? Il doit bien y avoir quelque chose par ici. Sinon, il n'y aurait jamais fait un endroit. Là, pas de lien. Et voilà, un trésor. J'ai pas d'avoir quelque chose de pas typique. Titanite de démon, c'est peut-être utile. Peut-être. Regardez la magnifique vue. Tout le temps. Ok, donc où faut-il aller maintenant? Nous allons vérifier la situation. En faisant un petit tour d'ici, juste pour le fun. Voir s'il y a quelque chose à faire ou s'il y a un item à découvrir. Et non! Bon. Bref, vous voyez, magnifique endroit là. On va aller voir de plus près, voir si on peut sauter, même si j'en connais déjà la réponse. C'est la mort. Bon. Bref. On peut vous aller là. Et oui, hey, t'es vraiment beau, j'adore le style médiéval. Jeu-là. C'est beaucoup plus stylé que dans Dark Souls 2, on n'en trouve pas dans Dragon One. Non. Oui, le château de Trangelique est quand même assez cool, mais. Comparé à celle-ci, rien de beau, ça. Non, vrai. Ok, la caméra, ça n'aligne pas automatiquement. Tout le temps mieux. Voilà, nous sommes ici à l'endroit où il fallait aller. C'est quand même assez. J'ai tellement cet endroit-là juste à cause de ça, là. On sait jamais vraiment qu'il faut venir ici. Combien de fois j'étais tellement perdu. Fallait-tu vraiment venir ici? Oui, non, peut-être. Et je fais vraiment pas beaucoup de dégâts, là. T'es affreux, là. 60 de dégâts. Peut-être mon autre round va en faire plus, ces monstres-là. Pourtant, en théorie, je fais 80-80. Ça devrait faire 160. Ça devrait faire plus mal à cette arme-là que l'autre round. 26. Mais j'attaque beaucoup plus vite. Mordeur! Ah, ils font pas beaucoup mal. Mais... Oh! Ils attaquent quand même assez vite. Non, 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 non. Ah, c'est ridicule. Bon, on prend la vie des deux. Pas de trouble! On recommence. Putain!
Ah, voilà, moi je prends de la vie, t'en rends là si tu veux. Mais je ne pas en prendre, t'en rends. Ah non! Non! Ah voilà, on va reprendre un climat, l'arme plus utile contre tes morts. Voilà! Donc, une demande déjà gaspillée, je vois combien de potions, de taille. Donc, maintenant, c'est le moment des vérités. Je sais pas, en fait. Je comprends pas trop tout le principe du jeu. Moi, il pensait que je fallait sauter sur la magnifique lampe en bas là. Mais je vous suggère pas, t'es vraiment pas une idée. Je vous dis tout simplement parce que. Il y a du monde qui sont morts ici. Oh, je suis encore en vie. Je pensais que je suis mort. J'ai jamais remarqué ma vie descendre. Hey, il a tombé en plus de la lampe, vous voyez, elle vient de tomber. Wouh! Faut aller chercher l'item plus tard. En fait, il fallait juste couper le fil. Mais d'où qu'une personne est tombée sur le fil, ça revenait au même principe. Et j'étais tout de mourir, hein, quand j'ai roulé, puis tout, là, les amis, je vous dis tout de suite. J'ai eu un peu la chienne de ma vie. Mais pas la chienne de ma vie, hein. Je peux vous dire, c'est quand même assez stressant ce moment-ci. Mourez. Mourez toutes! Oui, je suis tellement content parce que tellement d'endroits où si on fait un faux mouvement, on meurt. T'sais, c'est genre évident, mais en fait, je veux juste vous rappeler. Je voulais aller là parce que je voulais activer ça. Le mécanisme ne répond pas. Bon, avant d'aller trop loin, on va aller ici. Parce que je sais qu'il y a un trésor vers là. Non! Ah là là! J'aurais capoté, j'aurais tombé en bas. Il aurait fallu que je refasse le chemin en haut là. Ben. Oh! On l'aurait fait. C'est juste que. Pas plaisant, comme endroit. Je peux vous dire. Vraiment pas plaisant. Je m'attendais vraiment pas à voir un monstre là. Ça m'a surpris. T'es réussi. On a réussi le jeu. Ils m'ont fait le tour. Bravo. Bon, ici, c'est pas un trésor. En tout cas, je te parle. Je pense une bénédiction divine. Et oui, t'as pas grand-chose dans la vie. De tous les jours, là. Non, bref. Ne saute pas en bas. Sinon, c'est la mort assurée. Mais t'es vraiment. T'es très timbre. On n'est pas sûr de pouvoir passer. Donc, on passe. C'est bon. Non! Il y a encore un monstre. J'aimerais t'avoir pourtant. Et voilà. À chaque coin de même, il y a un monstre qui échappe pas. Le pire, c'est que je ne savais vraiment pas, mais là, je vous dis, plus que ça va, peut-être plus qu'on va avancer vers l'aventure que j'ai jamais vraiment faite. Et tant mieux, faut te dire. Bon, on peut soit aller vers le Gargonaut là, ou soit qu'on peut. Bon, en fait, on va pousser ça. On va où ça va aller. Et voilà. Et ça fait, les amis. Ça fait tourner la paire. Mais on peut le faire tourner encore pour aller à une autre place spéciale. Là, c'est l'endroit idéal où faut le mettre, mais. Ah. Ah. Ok, l'endroit où je l'ai tourné, ça va. Une plaque on va aller voir. Un feu en fait. Un feu. Et oui, c'est super agressif, hein. Wouhou! Donc c'était un checkpoint. Non. Oh! Ok. Tu veux te battre, hein? On va te battre au feu. Pour la gloire! Oh boy, est-ce que je vais l'avoir mon feu? Je veux mon feu! Gloire au feu! Oh non! Il est bagué! Oh! Oh!
On est vite. On est vite. Et bam. Et il m'a pas touché. Ah non, 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 t'es pas loin, t'as marge à la vie. Marche comme cela. Et. Et voilà, moi. Ah, cas de cargo, j'en ai trop, attends, j'en ai pas de besoin. Ah. Anneau de l'Inétana, j'ai quoi t'armant les pouvoirs de miracle. Tu sais, je me souviens bien. Oui, mais en fait, j'ai un. Peut-être ça redonne plus de vie au miracle. On va aller voir si j'ai des tools, pourquoi pas. Apporteur de bottes que comment je l'utiliserai pas. Bon. Ok, on va inventer, on va. Ici on n'a plus besoin de revenir. C'est juste pour allumer le feu. En même temps de reprendre des potions, vu de même. Maintenant on va aller voir l'impossible. En fait. On pourrait aller voir ici. Comme jamais aller encore. Donc pourquoi pas. Pas un endroit où j'aime beaucoup non plus. Au moins j'ai été en 3 coups d'épée, c'est bien. 3 coups d'épée, mais hein, bon, il y a un item à terre, il doit être quand même assez pas pire. Qu'est-ce que j'aime pas dans ce jeu-là, c'est lorsque vous attaquez un ennemi, ben il roule alentour de lui. Comparé dans Demon Souls et Dark Souls 2, lorsque vous attaquez un ennemi et vous roulez, ben ça roule pas alentour de lui, ça roule dans la direction où vous mettez votre jeu tick. Donc, c'est une habitude en fait là. Mais c'est une habitude que, mettons que... Non! Oh boy! Je pensais qu'il m'avait tué. Ok! Couteau de lanté, il fait pas trop de dégâts dans ce jeu-là. Peut-être qu'il faut augmenter la dextérité pour ça. Mais on va vraiment tuer tous les monstres ici. Et... Normalement, j'aime parier, mais là. Ah, c'est beaucoup plus simple comme ça là. La parier, ça marche pas tout le temps. Je manque tellement souvent mon coup. Que je veux pas t'allager du coup normal. Oh, voilà, j'ai rien, voilà, j'ai plus toutes les mains, voilà, j'ai récupéré mes tours. Non! Je voulais pas t'allager, mais je voulais pas sauter en fait, je voulais juste attaquer en piquant, mais j'ai sauté. Voilà. Et voilà, c'est juste. Chien, mais écoute, ça arrive! Vous l'avez dit, je peux pas faire un épisode sans mourir! Donc, il fallait que ça arrive! Ah! Bon! Le pire, j'ai même pas remonté l'item parce que je me dis, je vais tuer tout le monde, après ça, je vais aller récupérer l'item. Ça, j'aime pas le. Je l'aime la clé mort, mais seulement contre les ennemis qui sont lents. On a des ennemis qui agissent rapide. Non, ça vaut pas la peine, c'est trop. Ça te laisse trop ouvert aux attaques d'ennemis. C'est pour ça que je l'aime vraiment pas. Mais c'est pas grave. On va réussir à faire la guerre avec ça. Bon. Non, je trouve que j'aime beaucoup cette plastique. Ça lag pas partout! Allez. Quoi il. Bon.
T'as rien dit quand je suis en plein cible sur toi. On me tue. Oh non. Moutadé, vous faites bobo, mode. L'épée a brisé un peu. Parce que. Non, c'est pas vrai. Bon, voilà. Récupérer les fameux tours. Il gagne d'humanité. Donc, c'est comme je remets pas perdu rien. Allez, viens! J'ai pas juste ça à faire attendre, hein? Allez, frappe-moi, je m'en fous un peu. Voilà. Ah, c'est ça qui est arrivé tantôt. J'ai sauté, c'était pas une bonne idée. Ah, on va reprendre la vie des miracles, pourquoi pas. On dit miracle, il est demain. En vie? Non, putain. Un sort de magie. Oh non. Je vois jamais utiliser de la magie dans ce jeu-là, en tout cas. C'est pas grave. Non. Pas qu'il y a trop d'autres monstres ici. Ah bon. Bon, on va aller ici, on va reprendre la vie encore une fois. On va aller ici, on va reprendre la vie comme cela. Et là maintenant, nous devons agir prudemment. Très bien, utile à notre esprit. Bon, un dernier. Je comprends la vie parce que je trouve ça tellement fou ces monstres-là. Il y a un magnifique tableau avec un pont et un genre d'île. Non. Non, le pire c'est que. Oh non! Ah, oh, wow, je veux juste backtab. Et voilà. Ripote de Nintendo. Et. Et voilà! T'es quand même un titre, je crois. Je crois, hein. Une grande épée. Tout ce que je voulais acheter. Si. Donc, le gars, il aurait voulu continuer, il est mort, si je me fie à la logique. Qu'est-ce que j'aime, mais les autres, ils ont beaucoup de protection contre l'électricité et les dégâts physiques, c'est quand même assez moyen. Oh! Donc, on va porter ça à la place. Oui, peut-être, t'as pas beaucoup de temps physique, mais. Donc, si je me fie. Ah, on a juste 11, 15, putain! Ah, voilà, c'est quand même mieux ça. Ah, en fait, c'est à cause j'ai enlevé mon épée. Oh là là, non! En 30. Je les aime vraiment pas, ces épées-là. Trop lourdes. Ah! Ah bon. Donc, on va tourner ça à la normalité pour accéder au feu. Au feu le plus important. Et oui, je vais être. Peut-être un peu chien là-dedans. Dans le sens de dire que je vais arrêter l'épisode au feu de l'Arnaud bien normal. Arnaud Lando en bas là. Puis dans la prochaine épisode, on va t'attaquer au vrai château. Là, c'était une église, on va dire, de côté.
Dans l'épisode prochain, ça va vraiment être le prochain château. Comme ça, là, on pourra attaquer seulement 4. Donc, ça va grandement avancer. Là, on a fait un bout. Qui était important aussi. Mais là, tu sais, on va faire un bout à la fois. Là, tant qu'à prendre une vingtaine de minutes pour faire l'autre bout, j'aime autant le couper pour un autre épisode. Pour éviter de faire des épisodes trop longs. Que ça me tente moyennement de faire. Mais, bref. Désespoir, là. En fait, ça va plutôt bien. Feu droit devant. On va noter plus. Comme ça, lui va gagner une potion en ce moment, même si il joue. Donc, voilà. On redevient humain. En fait, j'ai pas trop le goût de perdre mon humanité et je peux monter de niveau. La vie, ça serait grandement utile. On va monter la vie. On va monter la vie à 20. Prochaine chose qu'on va monter, c'est vraiment. Après avoir monté la vie à 20, ça va être. Sincèrement, ça va être la dextérité à 20 aussi. On va monter, c'est pas mal, les gars. Juste pas la magie qui m'intéresse vraiment pas, mais bref. Oh! Ça va être tout pour cet épisode, les amis. Parce que j'ai décidé, ça va être ça, comme je l'ai dit, dans la prochaine épisode, nous allons attaquer. Le vrai château de l'autre côté de la. De l'autre côté, et ça va être tout pour cet épisode. Je vous dis tout, tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un petit si vous avez aimé la vidéo ou non. Je n'aime pas. Si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis tout, tout. Prenez soin de vous une deuxième fois et bye bye.